Eh bien, salut tout le monde, c'est Blackfly et on se retrouve pour l'épisode 2, une sorte partie 2, une sorte, voilà, en gros, une petite partie 2. En fait, c'était juste pour m'excuser parce qu'en fait, l'épisode 2 du Let's Play, je l'ai un peu, disons, posté à l'arrache, parce qu'il fallait que je fasse une vidéo. Je me suis dit, faut que je fasse une vidéo parce que j'en ai pas proposé, il fallait que j'en propose une. J'avais aucune idée, du coup, je me suis dit, voilà, je vais faire ça. En plus, on n'entendait absolument personne parce que j'ai merdé. Du coup, voilà. Du coup, je fais cette petite vidéo parce que voilà, pour en gros un petit peu m'excuser parce que la vidéo était vraiment tournée à l'arrache. Donc voilà. Là, je suis avec personne. Je suis tout seul. Donc je vais en sorte refaire la vidéo, mais je vais la laisser l'autre quand même. Mais bon, je tenais vraiment à m'excuser parce que. Les vidéos à l'arrache comme ça, on va essayer d'éviter parce que c'est vraiment nul. Du coup, en gros, c'était pour vous dire que on a livré la fac avec Hugo, enfin Monsieur Draz. Parce qu'on n'était pas modo, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre personne ennemi. On pouvait absolument rien faire. On pouvait pas mettre les gens ennemis, on pouvait recruter personne. Du coup, on s'est dit, on livre, on laisse le homme. Du coup, on a tout laissé. On est venu avec nos potes, donc voilà. Du coup maintenant on est avec Furious 4 PVP. Donc maintenant on est donc avec Furious 4 PVP, The Big Boss 1-2-3-4, Messa Roxer, Shadowzer, Tenovas PVP et moi. Donc ça c'est les membres de la fac. Donc maintenant je suis modo, donc on peut mettre les gens ennemis et tout. Donc voilà, donc c'était pour vous dire qu'on avait changé de fac. Donc je vais vous montrer brièvement. Donc, on vient de commencer. Là il y a quelques trucs, notamment pas mal de canapés. Donc ça c'est les staff. C'est mon droit. Voilà. Donc en fait c'est voilà donc du plastique. On a pratiquement que de l'obsidienne. Voilà. On a quelques épées, on a une épée en titane, bon, je m'en étais un peu nul, mais voilà, on a pas mal d'épées en obsidienne parce que c'est avec le kit guerrier slash kit guerrier. Voilà, donc on a ça dans le kit guerrier, c'est pour ça qu'on a pas mal de trucs comme ça. Voilà, donc au niveau des cases, du coup, c'est du diamant et obsi parce que on peut voter sur le serveur et donc c'est un. C'est pas du tout du pay to win. Hein. Donc voilà. Donc diamant, là il y a un peu. Oh du titane. Obsidienne, obsidienne. Voilà. Là c'est pareil. Il y a quelques trucs en obsidienne. Ça c'est les pioches, mais on s'en fout un peu. Ça c'est les popos. Ben, là il y en a pas énorme. Parce que déjà j'ai pas mal de ça sur moi. Ça c'est un peu les coffres à minerai. Bon, ça c'est le bois, ça c'est d'autres popos. C'est pas encore très très bien rangé, mais bon, on l'a commencé il y a pas très longtemps. Voilà, ceux-là ils sont vides. Ceux-là, là il y a un petit stuff. Voilà. Donc c'est encore un peu le bordel. Là c'est quoi, il y a... voilà. Donc là c'est tout ce qui est la bouffe. Ça c'est les ingrédients à popo. Donc parce que les popos c'est plutôt utile, c'est les fioles d'eau. Ah, ça. Voilà. Ah. Des bottles d'expert. Donc voilà, hein, donc en gros. Hein. Bon ça c'est la cobble. Donc voilà. Donc comme je l'ai déjà dit, on a commencé il n'y a pas longtemps. Mais on va se faire petit à petit. On a failli se faire attaquer parce que on est allé voir un petit peu à côté. Et donc ils avaient fait un canon TNT. Mais bon, on a vite placé de l'eau pour les coffres. C'était déjà fait en obsidienne. Du coup, ils ne pouvaient pas péter la balle. La base. Et du coup, voilà. Du coup, je tenais à m'excuser
pour cette vidéo à l'arrache. Du coup, je vais mettre celle-là assez vite après. Ou enfin dans la même journée ou dans la nuit. Donc voilà. Donc en gros, on a une nouvelle base. Et voilà. Et donc je vais vous laisser. Et donc je vous dirai à la prochaine et au prochain épisode. Allez, ciao.